Là, on a des courgettes. Donc, il y a deux sortes, il y a des vertes et des jaunes. Ici, on a des aubergines. Là, les aubergines sont là, les poivrons sont là. Là-bas, on avait des fraises. Là-bas, au fond, on a des choux, des choux-fleurs. Là, ici, on a des petits navets. Ici, c'est des concombres du Mexique qui commencent à arriver, qui sont très bien pour l'apéro aussi, les gens aiment beaucoup. Cette année, on a mis des tomates greffées double tête pour une histoire de place. Parce que comme ça, on avait replanté des oignons, des salades sur les côtés, parce qu'on n'a pas trop de place dans la serre. Le but, c'est de faire plaisir aux gens et qu'ils ne soient pas déçus en arrivant et de voir des casiers vides. Quand on arrive à un distributeur et qu'on voit des casiers vides, c'est super frustrant. Et on se dit, tiens, il y avait ça, j'aurais bien voulu, mais là, il n'y en a plus. Donc voilà, bon, le but principal, c'est d'essayer que tous les casiers soient pleins et un maximum. On coupe vraiment sur place. Il y a même des gens qui, parce que je laisse souvent ouvert, et des gens qui me disent, ah, bah, vous n'avez pas une Batavia, finalement, j'aurais préféré... Pas de souci, j'y vais, je vais la chercher et là je la coupe sur place et donc c'est vrai que là plus frais on peut pas. Ça nous a vraiment aidé. Sinon c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait et grâce à ça j'ai embauché ma femme qui était au chômage au début depuis un an et demi. Et maintenant on travaille à deux là-dessus et c'est un projet que déjà qui plaît aux clients. Puis c'est intéressant de vendre nos produits vraiment nous-mêmes. Ça change de l'agriculture normale où on livre, où on n'a personne devant nous. Là, c'est quelque chose, c'est vraiment un projet bien.